Bonjour les enfants. Je vous ai amené ici pour que nous apprenions les couleurs ensemble. Phoebe, revenons sur ce que nous avons appris à l'école. Groovy, sois attentif. Nous avons 6 seaux de peinture de couleurs différentes. Rouge, orange, jaune, vert. Groovy, tu es vert et jaune aussi. Bleu et rose. Nous avons également 6 dessins d'animaux. Renard, grenouille, poulet, coccinelle, flamant rose et requin, bébé requin. Les animaux sont très marrants. Savez-vous de quelle couleur est chaque animal? Groovy, transforme-toi en pinceau et aide Phoebe à colorier les dessins dans la même couleur. Rouge. Lequel de ces animaux est rouge? Exactement. La coccinelle est rouge. Groovy, maintenant l'orange. Lequel ce sera? Oui, très bien, Phoebe. Le renard est orange. Jaune, Groovy. Essaye-toi. Quel animal est jaune? Non, non, Groovy. Les flamants ne sont pas jaunes. Les enfants, aidez-le. Ah, c'est ça. Les poussins sont jaunes. C'est au tour du vert. Ah, oui, Groovy. Tu es vert. Quel autre animal est vert? Oui, la grenouille. Le bleu. Le bébé requin. Oui, il ne reste plus qu'une couleur. De quelle couleur est le flamant? Exactement, rose. Bravo, Groovy. Je pense que vous connaissez déjà parfaitement les couleurs. Voulez-vous essayer avec des fruits? Mais toi tout seul maintenant, Groovy. Avec un peu d'aide, c'est bien aussi. Nous avons la mandarine, la fraise, la banane, les myrtilles, la pitaya et le kiwi. De quelle couleur sont les mandarines? Exact. Elles sont oranges. Et les fraises? Très bien, elles sont rouges. Et la banane? Jaune, c'est ça. Et les myrtilles? Bleu, quelle équipe! Il n'y a plus qu'un, il n'y en a plus qu'un. Le pitaya. Très bien, les enfants. Rose. Bravo, les enfants. On révise une dernière fois. Rouge, comme une coccinelle ou une fraise. Orange, comme le précieux renard ou la délicieuse mandarine. Jaune, comme les poussins et les bananes. Vert, comme une grenouille ou à l'intérieur d'un kiwi. Et bien sûr, le brocoli. Bleu, comme le bébé requin et les myrtilles. Et rose, comme le flamant et le pitaya. Et comme Pops. C'est amusant d'apprendre. Oh, comme ils sont mignons quand ils dorment. Ça sent très bon. On dirait que Groovy ne peut pas résister. Non, Groovy, pas encore. Attends qu'on soit tous à table. Pourquoi ne vas-tu pas réveiller Phoebe? Ça ne fonctionne pas? Essaye encore, mais plus gentiment. De
beau, Phoebe. C'est l'heure de déjeuner. Le brocoli, c'est bon pour la santé, Phoebe. Tu devrais goûter. Non, Groovy, c'est l'assiette de Phoebe. Je suis sûr que ça lui plaira. Il lui suffit d'y goûter, n'est-ce pas, les enfants? Oh mince, Phoebe est morte de faim. Eh oui, elle n'a pas de force parce qu'elle n'a pas mangé ses légumes. Waouh, Groovy, ces brocolis t'ont rendu super fort. Ne t'inquiète pas, Phoebe. Il y a toujours une solution. Mais comment va-t-on rentrer à la maison? Miam, miam! Souvenez-vous, les enfants, les légumes sont bons pour la santé, délicieux, et ils vous donneront toute l'énergie qu'il vous faut pour jouer toute la journée. Que se passe-t-il? N'aie pas peur, ce n'est que du chocolat. Pile à temps, Phoebe. On dirait que Groovy n'aime que les légumes. Voilà papa et maman. Et ils ont l'air très contents. Je me demande pourquoi. Félicitations, Phoebe. Tu as eu de bonnes notes à l'école. Nous sommes très fiers de toi. Toi aussi, tu as été très sage, Groovy. Waouh! Une console de jeux vidéo. Bien sûr, quand on travaille bien, on est récompensé. Amusez-vous bien, mais avec modération. Waouh, Phoebe, on dirait que tu adores ça. Mais Groovy a l'air de s'ennuyer. Miam, du brocoli. À table. Quel gros bidon. Je suis ravi que vous aimiez autant les légumes. Ne fais pas trop de bruit et souviens-toi, les jeux vidéo avec modération. Groovy, tu joues depuis trop longtemps. Tu devrais arrêter. Waouh, Groovy, incroyable! Que s'est-il passé? Bon, ce n'est rien. Reconstruis-le. C'est génial! Qui est-ce? C'est Enderman? Attention, il va détruire tout ce que tu as fait. Non! Attention, non! Plus vite! Allez, Groovy, tu peux le faire! Groovy, je crois que tu as fait un cauchemar. C'est certain, ce n'est pas bon de jouer si longtemps. Les jeux vidéo, toujours avec modération. Tiens, vous allez à la plage? C'est génial! Qu'est-ce que vous portez là? Un parasol? Une serviette de plage? De la crème solaire? Des brassards? Des jouets? Une bouée? Très bien! Vous avez effectivement tout ce qu'il faut pour passer une super journée. Du brocoli? Un radiateur? Un manteau? Groovy, tu n'as pas besoin de tout ça à la plage! Non, Groovy, tu dois d'abord te mettre de la crème. Tu ne veux pas attraper des coups de soleil, n'est-ce pas? Regarde, comme Phoebe. Waouh, ça a l'air amusant, ça.
Qu'est-ce que c'est? Un requin? Ouf, c'est un dauphin. Les dauphins sont très gentils. Pourquoi ne pas jouer avec lui? Les enfants, je crois qu'on vous appelle. On dirait que dans cette maison, certains sont pour le Real Madrid et d'autres pour Barcelone. Mmh. Au moins, l'amour les unit. Les enfants, où sont Groovy et Phoebe? Pauvre Phoebe, ça doit être un choix difficile. Les enfants, que devrait-elle faire selon vous? Quelle bonne idée! Zut, on dirait que ces ciseaux ne coupent pas bien. Groovy, tu lui donnes un coup de main? Quelle émotion! Non, Groovy, attention, ils te prennent pour lui, cours! C'est un superbe coucher de soleil, n'est-ce pas? Tiens, tiens, Groovy. On dirait que Phoebe veut aller à la fête foraine. Tu sais ce que c'est? Va jeter un coup d'œil. Je suis sûr que ça te plaira. Allez, Phoebe, tu peux le faire. Oh non! Phoebe n'a pêché que 4 canards et il en fallait 5. Ce n'est rien, Phoebe. Tu t'en es bien sorti. Ah ah, vraiment? Je crois qu'il ne tombera pas dans le panneau. Attention, Groovy, tu es trop petit pour ce manège. Tu vas avoir la tête qui tourne.
pauvre Goofy. Je t'avais prévenu. Dis, Phoebe, où est le carrousel? Non, Phoebe, ne sois pas triste. Groovy peut sûrement nous aider. Groovy, pourquoi ne te changes-tu pas en carrousel pour que Phoebe et les autres enfants s'amusent un peu? Non, Groovy, ça ressemble au stand de glace, mais avec des chevaux. Non, des chevaux sur lesquels les enfants peuvent monter. Et maintenant, à cheval. Quel super déguisement! Halloween, c'est très marrant. Les enfants se déguisent pour aller chercher des bonbons. Mais Groovy, pas besoin de te déguiser. Transforme-toi en... Ce ne serait pas plus simple qu'il se trans... Groovy, ton déguisement est génial. Prêt pour une super soirée d'Halloween? Nous sommes curieux de voir en quoi se sont déguisés les autres enfants. Tiens, où sont les enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune trace d'eux? Rien? Comment est-ce possible? Groovy, tu nous donnes une vision d'ensemble pour qu'on découvre où ils sont passés? Les enfants, vous vous rappelez cet oiseau du parc? Je parie que Groovy aussi. Il a failli lui faire caca dessus. Phoebe, attrape-le! Ça y est, c'est Noël. Le temps passe tellement vite, vous ne trouvez pas? Vous avez été sages cette année? Et vous, les enfants? Que se passe-t-il? Tu as peur des éclairs? Oh, c'est vrai! Est-ce que le Père Noël aura des ennuis pour distribuer les cadeaux par ce temps? Très joli, Phoebe. Mais je crois que tu as besoin d'aide. Maintenant, c'est vraiment Noël. Vous avez un sapin à la maison, les enfants? Regardez, une étoile pour mettre en haut du sapin. Il va être encore plus joli. Oh non, c'est le Père Noël. Que s'est-il passé? Donnez-leur une couverture et un chocolat chaud. Ils sont jolis. C'est l'étoile magique du traîneau? Les enfants,
Il en a besoin pour pouvoir distribuer les cadeaux à tous les enfants. Bien joué, Groovy. Tu t'améliores en transformation. Pops a raison. Il ne peut pas sortir dans cet état. Il est malade. Il a besoin de repos. Non, Phoebe, c'est trop dangereux pour les enfants. Vous ne pouvez pas distribuer les cadeaux. Il fait un temps de chien. Wow, Pops! C'est un portail? Où mène-t-il? Il mène chez tous les enfants du monde. Joyeux Noël, les enfants! Phoebe, ce n'est pas l'endroit pour jouer au ballon. Attention, vous allez finir par casser quelque chose. Pourquoi ne pas laisser le ballon et faire un tour dans le musée? Vous adorez les dinosaures. Pops, tu as l'air bizarre. Ça va? Les enfants, vous savez ce qui se passe? Un camion, un overboard, un carrousel, du brocoli, un œuf surprise, un extincteur. Bien essayé, mais je crois que vous l'avez encore plus fâché. Essayez de l'aveugler avec le flash. Les enfants, en quoi devrait se changer Groovy pour effrayer la momie? Non, Groovy! Transforme-toi en dinosaure! Qu'avons-nous appris, les enfants? Pas de ballon au musée!